Oui, ben c'est parti, vive Papa Eric, le temps, le temps. Alors, en ce jour du 1er mai, dimanche 1er mai 2022, moi, Papa Eric, le temps, je vais te travailler avec plaisir à la place de la République. En grec, Papa Eric. Voilà, le nouveau patriarche. Papa Eric. C'est pas sérieux ça. Merci. Papa Eric, le temps. Oracle. On fait la mise alors. Papa Eric. Papa Eric. Merci à vous. Le tendre, le nouveau patriarche de l'humanité, Papa Eric, le tendre, à suivre, Papa Eric, enfin. Démasculé, l'homme de Cro-Magnon, pas d'enfant, pas d'avenir, l'avenir c'est les enfants, Macron n'a pas d'avenir, merci. Et comme dit l'autre, c'est quoi, c'est l'architecture? C'est là. Alors, que penses-tu de mon œuvre d'art? Thank you.
Allez, papa Eric.
En toute façon, entre dimanche dernier, vous avez dû choisir entre la peste et le choléra. Vous avez choisi le choléra. Le choléra représente à l'échelle humaine un délire. Thank you.
Thank you.
Merci, t'as ma carte. Thank you.
Voilà, c'est bon.
Thank you.
Thank you.
Papa Eric, le temps, c'est moi, le nouveau patriarche, je suis majesté, l'homme providentiel. C'est où? C'est ici? Le nouveau patriarche, bien ça. Le humanisme. Je suis pas organisé ce soir. Et non, le deuxième. Papa Eric, le temps. L'homme providentiel, Père Eric. Regardez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous vendez? La jolie Bible. Hein? Mes œuvres, mes tableaux. Mes tableaux, il n'y a que Picasso. C'est très joli, très belle exposition. Mon travail. C'est ça votre travail? Oui, c'est ça. Oui. Attends, va voir vos applications, tu vas voir si c'est votre travail. C'est vous le nouveau frère. Il venait d'avoir 18 ans, papa Eric avait 18 ans. Ça, c'est un capital de temps. Nouvel âge, papa Eric, le temps est boustouflant. L'art lyrique. Papa le service public, oui, attends, et tout c'est qui, c'est conseiller. Le service public. Ah, puis le service public. En fait, c'est où commence le service public et où s'arrête? C'est privé, non? Oui. Et puis c'est conseiller en communication. Oui. Adressé, compagnie. Vous dites quoi? De toute façon, moi, papa Eric, bon d'accord, c'est-à-dire, j'ai 55 ans, bon, ça fait 34 ans que je suis à Paris, je ne suis pas français, je suis parisien, je sais, écoute bien, ainsi se termine la Marseillaise, un sang impur va brever vos fils. Ça veut dire quoi? Vous faites quoi? Hein, vous patriarche? Eric, ça pose question, oui. Ah, vous l'avez dit, non, c'est vrai. Alors, garde. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Ah, il est où le propriétaire? L'avenir. Non, l'avenir, c'est les enfants. Ah, bonne mémoire. Ah ouais, bon, ben ça nous contente pas. Et tout, et pas.
T'es plus là-bas? Quoi? T'es plus là-bas? Si, si, je suis toujours là-bas, ouais. Ah d'accord, mais c'est peut-être, je pense que moi, mais bien. Voilà. Là, toujours Richard, il est toujours là. Richard est toujours là, ouais. Et la haïtienne? Lydie, non, elle est plus là. Ah d'accord. Et ça, opéré, le nouveau patriarche, de l'humanité, l'homme providentiel. T'as l'appareil, on parle contre là. T'as le contre là, comme ça tu montes à Richard. Allez, putain, bon, Eric. Ouais, je te laisse continuer. Ouais, merci. 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 Ah, ma sensation, j'ai fait mon travail. Travail d'art. La poésie lyrique. Bon, Eric. Thank you.
Elle est juste sur la raison celle-là. Ah ouais? Bien! Yeah. Eh, c'est Papa Eric. C'est vous Eric? Non, Papa Eric. Ah, Papa Eric. D'accord, ok. Ah, d'accord, vous proposez de l'amour, c'est ça? Avec plaisir. Qui veut la paix, c'est l'amour. Sans amour, la vie n'est que bien. Papa Eric. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on veut du fric, du fric,
service public, on veut du fric. L'amour. On veut du fric. On veut l'amour. Pour un service public, on veut du fric. Combien? On veut l'amour, oui. On veut du fric, pour un service public. L'argent sera mélancolique. Plus tu en as, plus tu t'enfermes. Ah oui, hein. Le milliardaire, on ne le voit pas dans le lit. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Mais ça, les gens ne comprennent pas. On veut l'amour, l'amour. Sans amour, la vie n'est que debout. De toute façon, la France, je n'ai jamais compris. Moi, pas compris français. Ainsi, ça s'est terminé la Marseillaise. Chers Français, un sang impur abreuve vos fures. Merci. Et à monsieur, moi d'abord. Si on peut l'acheter, moi je suis là. Après, je ne sais pas. Bon, je dis aussi arrivé monsieur. Après, je dis monsieur. Bon, monsieur, il est là. Et si on faisait la queue. Et si on faisait la queue, c'est vrai pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, mais justement, c'est après, c'est du vrai. Donc la queue, c'est ça. Avec des personnes, c'est... Hop, là, et il y en a qui confondent le travail et gagne-temps. C'est pas ton travail. Ça, c'est ton gagne-temps, non? On continue. Qui réclame égalité des sexes et vient faire pipi là. Une femme qui réclame égalité des sexes vient faire pipi. C'est toi? Ouais. Eric. C'est toi? Ouais. C'est toi? Ouais. Hein? L'homme providentiel. C'est là la solution. D'ailleurs, mon Dieu. Kinshasa, capitale du monde. Ça y est, roi Kanda. Tout le monde pète le plan, c'est clair. Ça va où maintenant, sur quel pays? Et les grands de ce monde, ils font quoi? Qu'est-ce qui justifie la grandeur? Le plus que policier, c'est des boucliers humains. Hein, au service des reptiliens. Et il n'y a rien à faire. Hein, c'est même plus ce rapport d'activité. Regarde. L'homme providentiel. Qui veut la paix que l'amour? Opa!
Thank you.